Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Comment dire, All Amazon, on va dire. Il y a plus d'un mois, déjà, presque un mois et demi, j'avais commandé sur Amazon des encres Distress, Oxide et Ink. Et je vous avais montré l'autre fois, j'avais reçu la petite pâte jaune. Et là, j'en ai reçu trois autres ce matin. Donc, je sais pas pourquoi il y a des boîtes grises et d'autres bleues, une noire. Et j'ai reçu aussi une des planches de tampons avec petit hérisson. Je l'ai reçu aussi dans ma boîte aux lettres. J'en attends une autre sur, le Japon. Celle-là, j'aurai pas avant fin avril. Donc je vais vous montrer, on va faire une petite tête, j'ai une petite chute, on me servira pour des fonds de cartes. Et sinon, je cherchais des papiers dans ma boîte qui est dans ma chambre. J'ai aussi du matériel dans ma chambre parce que j'ai pas de place pour mettre là. Et donc j'ai retrouvé des trucs, notamment ceux-là. Alors, je sais plus où je les avais trouvés par contre. Donc c'est des kits comme ça où il y a... différentes tailles de papier, textures, et il y a des strass et des petites fleurs. Donc ça c'est dans les tons orange et jaune. Ça m'aurait été utile de faire la carte une fois. Et j'ai retrouvé celui des bleus. Donc prochaine vidéo, on fera une carte avec ces papiers. Pour un temps, je les mets de côté. Et quand j'avais fait la carte de Betty, la jaune, ça aurait été bien si j'avais retrouvé avant. Donc c'est là, je la mets là, parce que toutes les cartes que je fais, je les mets de côté, comme ça, quand le confinement sera passé, et ben, je pourrais envoyer mes cartes. Donc pour l'instant, on va regarder ce que ça donne sur une feuille. Donc pour l'instant, il faudrait que je mette mes étiquettes parce que au bout d'un moment j'ai pu savoir les noms des couleurs. Moi je voulais mettre sur le couvercle, hein. Hop, sur le couvercle là en face, comme ça je saurais la couleur. Faut que je retrouve mes étiquettes d'abord. Alors pour ça, donc il m'en faut 3. Donc je vais prendre 3 doigts. 3 et je vous baisse. Hop. Voilà. Donc là, on a notre chute de papier. Attendez, j'aurais peut-être pu me prendre. Voilà, plus petit. Ça permettra de moins gaspiller. Donc, alors, j'ai pris 3. Enfin, j'ai reçu. J'en attends 3 autres encore. Donc, ça, c'est la Pick-up Feathers. C'est un bleu. Un bleu océan. Je sais pas trop comment. Voilà. Oh, un bleu turquoise. Ensuite j'ai un vert citron, un peu écrasé son fond, mais il était un petit peu malmené. Voilà, et un rouge brique. Hop, et voilà. Donc on va essayer avec donc les deux, la rouge brique et la bleue turquoise, c'est des oxydes. Celle-là, c'est une ink.
c'est par rapport au prix. Alors, on va essayer. Ah ouais, y a pas photo avec les distress. Distress oxyde, elles sont quand même beaucoup moins sèches. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, on va laisser un petit peu sécher. Voilà. Donc c'est plutôt, j'adore. Donc ça fait super truc. Bon, les couleurs vont pas aller ensemble, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer ce que ça rend sur le papier. On va prendre le bleu turquoise. On voit, hein, quand on applique le coton, on voit qu'elles sont bien imbibées de d'encre. Et on va en mettre beaucoup moins. Les inks, on verra l'autre, elles sont plus sèches. Je trouve que c'est quand même pas mal avec. Voilà ce qui donne un peu, tu vois. Et maintenant, on va essayer la verre citron. Hop. Voilà. Et là, c'est ink, on voit. On va voir la différence. Ah, elles sont quand même plus. Ouais, bah c'est une maison qu'ils avaient. Voilà, on a oublié d'en mettre quand même plus souvent. J'essaye de ne pas mettre des doigts dessus. Hop. Vous voyez, on a oublié d'en mettre quand même plus souvent. Et cesse plus vite. Jolie couleur. Je me suis mis du bleu sur les doigts. Donc voilà. Bon, au final, elles vont bien ensemble. Voilà, donc on a le rouge brique, le bleu turquoise et le vert. Je sens un vert pomme. Eux ils disent vert citron. Twisted. Je sais. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, vous verrez pas, mais entre la ink et les oxydes, elle est quand même plus sèche. Vite fait, la ink que la distress est un petit peu mouillée. Je trouve que ça va bien. Attendez, je vais juste faire. Voilà. Hein? C'est plutôt pas mal. Franchement. Voilà. Je vais faire le dégradé pour éviter que ça. Voilà. Voyez, ça fait super sympa. Bon, je vais le garder celui-là. Il me servira pour faire un fond, une ATC. Et on va essayer. Hop. On va essayer les. On va pas tous les faire, mais la planche tampon là, j'ai pris une chute là aussi, et on va tamponner avec la versatile.
vais juste prendre. Hop. Alors moi ce que je fais, on ira, je prends un tapis de souris. Bon, à la base c'est un tapis de pour quand vous voulez poinçonner. Moi je m'en sers pour faire mes tamponnages. Alors les petits hérissons vont pas servir trop maintenant. J'ai déjà une planche un peu celui-là. Et il fait à 2 € le cash, je crois. Et franchement, c'est super mignon. J'ai hâte d'avoir un sel de. Par contre, ne colle pas très bien. Le sel du Japon. On va prendre celui-là. Hop. Voilà. Si je prends pas le. Et la moitié, ça va faire. Voilà. J'avais oublié de prendre ma plaque de pour les tampons. Alors, hop, pas emporté de travers. On fait la faire sa fine. On se regarde si on a partout. On va faire dans l'autre sens. Ah, nickel. Franchement, nickel. Regardez. Trop mignon. Après, quand ils seront secs, on peut les colorier au feutre à alcool. Donc, on va prendre un autre. Je nettoierai après. On va prendre le vélo. Bon, je viens, j'en ai sur les doigts. Oh, ils sont top ces tampons. Ils font des tamponnades magnifiques. Parce que des fois, vous avez des tampons qui viennent de Chine, ou je sais pas d'où ils viennent. Et j'avais pas la bonne qualité. Ceux-là, ils viennent. Je sais pas, c'est pas marqué. Marqué en chinois ou en japonais. Et on va faire un dernier. Franchement, non, vous voyez, il y a très peu besoin de la nettoyer. Ça, c'est cool. Et on va prendre un dernier. Hop. On va prendre un petit. Il se regarde celui-là avec sa fleur. On va en mettre deux. Là, il y a la fleur aussi. Il y a peut-être monsieur et madame. Voilà. Je vais les mettre plus près. Là, vous voyez, j'ai mis de l'encre sur la plaque. Si je fais ça, ça va me faire une tache sur ma feuille. Donc, je l'enlève. Voilà. Hop, et on va tamponner, je suppose, les monsieur et madame. On va dire. Oh, j'adore. Franchement, c'est. Pourtant, j'en ai eu de Chine. Hein. Mais ceux-là, ils tamponnent. Magnifique. Je ferme, sinon, je vais en mettre
collé partout. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Ils sont trop mignons. Non, plutôt ravi de cet échange, hein, de cette petite commande là que j'attendais depuis presque un mois et demi. Et franchement, c'est top. Oui, il y a très peu besoin de les nettoyer. Vous avez souvent l'encre. Il faut nettoyer après. Et là, franchement, j'adore. Super. Et même hein, avec la scie. Pas tout à fait sec, mais franchement, c'est top. Je suis ravie. Le rouge brique, il est à tomber. Pour l'automne, il va être super. Là, je vais pouvoir utiliser le vert pomme et le bleu. Donc, j'en ai commandé, je vous dis, il m'en manque trois autres. Alors, il me manque un rouge, mais vraiment un rouge. Un autre bleu différent, un autre vert et un orange. Ouais, il y aura 3 ou 4. Donc j'espère les avoir le dimanche prochain. Donc on verra. En tout cas, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. En espérant que vous allez bien et que pas trop dur ce confinement. Ça commence à être dur. En tout cas, ben, moi je vous souhaite prochaine vidéo. On fera une carte avec une ou deux avec les pochettes là de papier que je vais montrer. Il me semble que c'était de nos gueule. Enfin, je sais plus, ça fait très longtemps. J'ai la main en noir et blanc. Je sais pas où elle est, par contre, c'est là. Et on fera une carte ou deux ensemble. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, restez chez vous. Bye bye.